Bonjour à tous, je suis Radhika, vous êtes bien sur ma chaîne Les Secrets de Nana. Nous sommes samedi 14 janvier 2023. C'est parti pour une vidéo à Lidl de Choisy-le-Roi. Alors c'est le Choisy 2, c'est celui qui est vers le parc départemental de Choisy. Les tomates rondes, le kilo est à 1,49€. En plus le filet, il est pas mal. Moi j'aime bien quand elles sont petites comme ça, on peut faire des salades ou faire des sauces avec. Après si vous préférez, il y a aussi les plus grosses. 1,49€ le filet d'un kilo. Alors ce week-end, vous avez 15% de réduction sur les poissons frais. Donc, il suffit juste d'activer votre ticket. Alors je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, il y a d'autres choses. Et donc ce week-end, on a plein d'offres sur plusieurs produits. Je vous laisse regarder s'il y a des produits qui vous intéressent. Et c'est du vendredi au dimanche jusqu'à demain. Alors on va regarder ce qu'il y a dans leur bac offre spéciale. Donc on a le hachoir à viande. Alors franchement, je vous conseille à chaque fois de regarder à l'intérieur au niveau des prix. On a l'appareil de mise sous vide. On achète même un. Donc ils sont à 15€ et vous l'avez en noir où il reste encore un en blanc. Ou peut-être qu'il va plus rester, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est super intéressant puisque le prix, hein, vous le connaissez, hein, il n'est pas à 15€ en général. Et ça pour mettre sous vide vos viandes, vos fruits, légumes. Il y a même les adaptateurs et un rouleau. J'en ai un, je l'utilise pas tout le temps, j'avoue. Parce qu'il faut quand même du temps pour découper, pour mettre bien la viande. Mais quand je prends de la viande, je l'utilise quand même régulièrement. Parce qu'en fin de compte, quand vous allez ressortir votre viande du congélateur, bah, c'est comme si vous ne l'aviez jamais congelée. Vous n'avez pas ce petit effet là, vous savez, de givre. Je ne vous ai pas donné le prix du hachoir, il est à 20€. Bain de pied massant, point de massage intégré et 6 rouleaux. Il y en a un qui est ouvert ici avec la râpe, les rouleaux. Donc c'est bien parce qu'en fait on peut le replier, du coup la replier et du coup c'est plus facile à ranger. 7€. Les robots multifonctions, hein, ils passent à 11€. La fabrique à glaçons, elle passe à 84€. La centrale vapeur Tefal Express Essentiel, 84€ au lieu de 109€, 5 barres. Alors vous m'avez demandé après l'autocuiseur, malheureusement je ne l'ai pas revu. T-shirt manche longue, alors c'est cela, 6,28€. Les bottes d'hiver, 10,98€. Alors c'est des petites tailles, je vois du 27-28, 27-28, 30. Et on a pour les plus grands à 12,98€. Hein. Pensez-y hein, si vos enfants vont au sport d'hiver là, en février ou en mars. Au niveau des tailles, je vois du 33, 37. Il reste encore des monsieur cuisine si vous n'avez pas eu le vôtre. En tout cas, il y en a ici. N'oubliez pas d'activer le bon de 70€ sur l'application et il vous reviendra à 359€. Aspirateur, éjecteur, extracteur, 99€. Alors j'ai vu plein de retours plutôt positifs sur cet aspirateur injecteur. Donc il y a une buse là qui va vous permettre de nettoyer tout ce qui est surface dure. Sol, ça peut être vos murs. On a une buse avec embout pour surface dure, pour le nettoyage des textiles. C'est celle-ci, donc pour nettoyer vos canapés, vos chaises. Donc 20 litres et réservoir d'eau et de détergent 4 litres. Visseuse à choc 79,99€. Il reste aussi les aspirateurs robots 129€. Les pèse-personnes. Montre fitness connectée 39,99€. Il y a gris, rose et noir. Je me suis prise la rose, je vous l'avais dit il y a quelques semaines. Et j'aime bien, ça me permet de calculer pas mal de choses. Donc quand je fais ma marche, mon sport, ça permet aussi d'avoir les messages. Quand par exemple je suis au téléphone, enfin plutôt quand j'ai mon téléphone dans la poche ou pas accessible,
je peux consulter mes messages, que ce soit WhatsApp ou messages ordinaires, sur mon téléphone. Alors, il indique aussi les appels, mais moi, je n'ai pas réussi à le paramétrer. Quand j'ai les appels, ça me met juste incoming, ça ne me met pas le nom de la personne qui m'appelle. Le pull camionnaire Lidl 838. Tiens, pour mon abonné aussi, je ne sais pas si tu es proche ou pas de la région parisienne, mais il y a encore des boîtes pour mettre sous le lit, avec le couvercle comme ça, bleu. Les matelas, 115 euros pour le 140-190. Tiens, il n'y a plus de petits. Il reste les batteurs avec accessoires, petits batteurs comme ça. Alors comme je disais, n'est-ce pas Viviane, on évite les doublons. Alors moi j'en ai des doublons, je vous dis à chaque fois, c'est pas parce que je vous donne des conseils que moi je les ai appliqués. Que souvent on a des appareils avec qui font tout, mais à côté on va acheter un appareil et on se rend pas compte qu'on l'avait déjà à la maison. Bon après par contre, moi je sais que j'aime bien avoir un petit fouet à main par exemple. Ça m'évite de sortir le gros robot, etc. C'est comme les hachoirs, j'ai un petit hachoir, ça m'évite de sortir tout le gros robot. Mais on évite voilà, d'avoir des doublons. 29,99. Alors celui-là, il y a les fouets comme ça, les crochets à pétrin, un pied mixeur et une spatule en plastique. La friteuse à air chaud. 44,99. Alors celle-ci, je vous montre à chaque fois, hein, le panier, il est comme ça, donc je pense pour deux personnes. Après, ça dépend ce qu'on va, on va cuire, puisqu'on peut aussi on peut griller, cuire et rôtir. 44,99€. Le blindeur chauffant, 31,99€. Alors pareil, j'ai que des retours positifs sur ce blindeur chauffant. Je l'ai testé moi-même, j'en ai acheté un l'année dernière pour faire les soupes. Alors bizarrement, je ne l'ai pas encore ressorti. Alors avec ce blindeur, on peut cuire, mixer et garder au chaud. On peut faire plein d'autres choses. On peut faire aussi des smoothies, de la compote. Donc on peut faire des veloutés, des soupes avec morceaux. On a juste à éplucher ses légumes, les couper. Ou bien on achète un sachet de légumes surgelés, des fois c'est pas plus mal. On va ajouter l'eau. Alors par contre, il y a juste un petit souci qui a été souvent remonté, mais c'est un souci d'utilisation. Faites bien attention, ne dépassez pas la ligne d'eau. Parce que si vous mettez trop d'eau, il va se mettre en alerte et vous ne pourrez pas le faire fonctionner. Donc vraiment, il faut bien respecter le nombre de litrages. Donc 31,99€ au lieu de 44,99€, capacité 1,6 litre. Donc je disais à chaque fois, c'est bien même si vous avez autour de vous un membre de votre famille, vous occupez d'une personne en situation de handicap ou un senior, vous pouvez comme ça préparer, lancer la soupe et ça va lui laisser au chaud, ça va garder au chaud. Déshydrateur alimentaire, 27,99€. Raclette gris, 24,99€. Donc c'est pour 6 personnes. Je trouve qu'il y a de plus en plus de nouveautés dans le rayon pâtisserie. On a ces petits vermicelles. Alors habituellement on en avait uniquement occasionnellement dans les arrivages de catalogue. 1,09€. Cassonade pure canne, 1,59€. Le sucre glace, 1,49€. Au niveau de la farine, il y a pas mal de choix. On a la farine locale écrasée sur meule de pierre, type 80. À 2,15€, on a de la farine bio. Je pense que le prix, il est dans le rayon bio. C'est quelqu'un qui a dû la reposer. On a de la farine de blé pour pain de tradition, donc type 65 à 99 centimes. On a celle-ci, la farine de blé classique. Enfin, 45, type 45 à 79 centimes. Ou sinon, on a la fluide à 85 centimes. Après, on a aussi celle-ci. Alors celle-ci, elle se trouve normalement dans un des rayons. Je ne me souviens plus du prix, mais je vous l'avais présenté dans la semaine. Tiens, torsade de bio 100% pois cassé, 1,89€. On en a au pois chiche et lentilles corail. Donc c'est des pâtes à base de lentilles corail, pois chiche ou pois cassé. Riz basmati pur Himalaya à 500 g pour 1,44€. Alors moi je sais que je consomme celui-là.
soit en paquet comme ça, soit quand ils font, vous savez, les grands sachets de 5 kg. J'aime beaucoup, il est à 2,20€ le kilo. Et le thal jasmin, il est à 2,05€. Celui-là, il est bien, je le donnais à mes enfants parce que c'est un riz qui est assez, comment vous expliquer, assez tendre. Et pareil, quand je fais mes salades de riz maintenant, je mets soit le riz basmati, soit le riz jasmin. Je prends moins de riz classique. Ça y est, la moutarde est revenue en rayon, 1,70€. La mora, sinon on a celle-ci à 69 centimes. Tiens, 4 épices. Ah bah si, j'avais acheté celui-là quand j'avais fait mon pain d'épices. Du croc, donc 1,25€. On a ça, on a le gingembre, 1,28€. Au niveau des épices, ils ont vraiment pas mal de choix. Ils ont la marque du croc, ils ont la marque Cania, qui est la marque qu'on retrouve chez Lidl. Donc, par exemple, le cumin est à 75 centimes. On a du piment de Cayenne, on a aussi du bio, du curry bio, 1,49€. Poivre noir concassé. On a des herbes style basilic, romarin, 49 centimes. Chips du coin, Paulette au sel de Guérande, 1,99€. Les œufs frais, alors je vous ai présenté ces œufs samedi dernier et j'ai eu des questions des personnes qui n'avaient pas l'habitude de voir des œufs blancs. Alors la couleur des œufs dépend de la poule, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que des œufs blancs, on n'en trouve pas forcément dans toutes les enseignes. Là c'est 2,49€, il y en a 15. Ça a exactement le même goût. Hein. Mais bon, si vous préférez, vous avez celle-ci. On a d'autres œufs dans le rayon des œufs et du lait. On termine par le chocolat pâtissé, pareil. Ce chocolat, vraiment, je vous le recommande pour pâtisser. Il est vraiment très bien, il tient bien à la cuisson. Il est à, je ne sais plus le prix, je sais que le corset, voilà, il est à 1,21€. Celui-là, je crois qu'il est à 99 centimes, enfin, il est à moins d'un euro. Ouais, voilà, 99 centimes. Celui-là, c'est un 52%. Vous avez plein d'autres chocolats. Hein. Vous avez au lait, vous avez blanc, vous en avez aussi des fois au caramel. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.